après les trois grands. Mais... Sur la 106 de Guillerme, en 6ème position d'Alphilette Morel. Magnifique hôtel, alors qu'en première position, ça vient de changer, c'est Thierry Nicolas qui va prendre la tête. L'Alphilette 310 qui vient de prendre la tête de la course devant l'Opel. Ah, première position, Thierry Nicolas, c'est Thierry Nicolas qui prend la tête du Thierry Nicolas. Actuellement, 3ème devant, Denis Guillerme. Un petit écarté de la course par Sébastien Chirel, toujours la 6ème place pour Manu Guettel, 7ème place pour Alexandre Hugues. Derrière on trouve Fred Dugoin, Joël Sauvel, Dédé Primo et Charles Lejour. Et toujours Sylvain Le Vénère en tête, juste devant Laurent Lebrun. Il y a Dynamite, Thierry Nicolas en troisième position. Toujours Sébastien Chirel, quatrième, alors qu'Alexandre Hugues est en train d'attaquer Manu Guillotel. Et puis Alexandre Hugues qui fait un pas à l'intérieur sur Manu Guillotel, Fred Dugoin qui va peut-être en profiter également. C'est parti pour Fred Dugoin. Et Laurent Lebrun qui va s'emparer de la tête à la cour, enfin de la tête à MRS, devant l'Opel Tigrin. Thierry Nicolas dans les échappements, alors que Sébastien Bocher s'est arrêté juste avant la table de la droite. Dommage. Et Alexandre Hugues qui est rendu en 4ème position, Alexandre. Juste devant Fred Dugoin et Manu Guillotel. Regarde, il prend vrai, il prend vrai. 3ème position de Joël Sauvel pour Life Propulsion. Devant Dédé Primo et Charles Lejour. Allez, Fred Dugoin à l'attaque sur Alexandre Hugues. Ça ne passera pas cette fois-ci. Toujours Laurent Lebrun en tête devant Sylvain Levenière, la troisième place du titre par Alexandre Hugues, Manu Guillotel à l'arrêt, la cinquième place pour Joël Sauvel, Dédé Primo et Carlo Gélé. Ça va être et le moteur, Laurent Lebrun qui casse le moteur dans celui qui est en train de se faire. Ah c'est con, putain. Le moteur Honda qui vient de casser la descente, malheureusement. Arrête la voiture. Là, ça va pas aller bien loin. Derrière, c'est un vrai enfer. Elle va rien voir, Alexandra, avec la Sarah. Pas du moins, quatrième. Bah, ça pue de moins en moins, il y a de moins en moins de pluie dans le moteur, c'est sûr. Allez, c'est meilleur. Allez, ça va, qui passe en deuxième position de l'entrée du bois. Sans concurrence maintenant dans cette finale, alors que la bataille se situe au niveau de la deuxième place. Fred Dugoin est en train de faire l'extérieur. Alexandre Hugues. Allez, Alex peut bien fermer la porte. Fred Dugoin, il prend les intérieurs à chaque fois. Tout prend à chaque fois les intérieurs. Il est tout malin. Choix stratégique. Et Alexandre a bien fermé sa porte. Toujours le top qui va le tirer à La quatrième place pour l'instant pour le début de Joël Sauvel et Carlo Julien, Joël Sauvel qui va les sauver.
Allez, toujours Corti en tête, Sylvain Lemener, le pilote finistérien. Allez, quand même, super bien, ça porte à la bien aussi. Vous serez tous les attaqués. Et le vainqueur ici à Noron, les vainqueurs du Brest Champion 2019, c'est Sylvain Lemener. La deuxième place pour Alexandre Hugues.